Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi, début de semaine, 12 juillet 2021, 11h13 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si on peut penser que ça va bien parce que c'est l'été. L'été, c'est la saison hein, de la légèreté, la saison des parties, mais on nous garde des surprises, des surprises. Hein? On voit que la pandémie malgré le fait que beaucoup de gens soient fait vacciner à travers le monde, mais surtout dans les pays riches. Les pays pauvres n'ont pas les moyens de se faire vacciner et on tarde à envoyer des doses et des doses. Donc, ça, ça crée un autre problème. On voit les euh, inégalités aussi. On voit un peu l'indifférence des pays euh, plus riches face aux pays euh, en voie de développement. Et dans nos pays respectifs, aussi, les cas sont en augmentation, malgré le fait qu'on est en été. Donc, ça donne l'impression qu'on pourrait retourner vers l'automne, vers des formes de confinement, peut-être moins intenses. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Je ne sais pas ce qu'on nous réserve comme surprise, mais ça ne sent pas bon. On va aller faire un tour aux États-Unis, où on apprend par le Daily Mail que. On a des euh, États-Unis ont enregistré 20 000 nouveaux cas de COVID dans trois jours, de, pour trois jours de suite, pour la première fois depuis le mois de mai, alors que le fameux variant Delta continue de ravager les zones à faible taux de vaccination. Vendredi, les nouveaux cas quotidiens de COVID ont dépassé les 20 000 aux États-Unis pour le troisième jour. Les régions du Missouri, de l'Arkansas, où la vaccination est faible, Alimente la flambée. On sait que la population afro-américaine est très très euh, méfiante, entre autres, euh, face à l'industrie pharmaceutique, peut-être pour des raisons fondées, à des craintes euh, face à ce vaccin-là, comme pour plein d'autres vaccins, se sent peut-être euh, ciblé. Chez les républicains, on a un haut taux aussi de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. On a l'ancien président Trump qui a poussé le vaccin, euh, poussé la création du vaccin avec euh, l'opération Warp Speed en mettant des milliards pour euh, pousser l'industrie et les scientifiques à développer le vaccin le plus vite possible, idéalement avant l'élection. Ce n'est pas arrivé. On a sorti le vaccin, on l'a rendu disponible une semaine ou deux après l'élection, d'où les idées de conspiration. Ça, c'est toujours à votre discrétion. Et. Depuis ce temps-là, comme par vengeance ou par euh, peut-être euh, l'état d'esprit de Donald Trump de s'être fait euh, passer un sapin, jouer dans le dos, qu'il y a eu une conspiration contre lui, même si c'est lui qui a fait développer le vaccin, il n'en a pas fait la promotion et il n'a pas dit aux Américains et surtout à ses supporters de se faire vacciner. Et lui-même s'est fait euh, vacciner. Euh, en secret avec euh, Melania, l'ex première dame, parce que Donald Trump a toujours été le président de sa base, que ce soit la base euh, pure et dure euh, de l'Amérique blanche profonde, avec les Proud Boys, les Boogaloo Boys, euh, les Old Keepers, ces gens qui naviguent plus vers l'extrême droite qu'autre chose. En se pensant victime du système et de l'immigration de masse, n'a jamais voulu les aliéner, donc il a toujours gouverné pour ces gens-là, n'a jamais été le président de tout le monde. Et la même chose avec la, le vaccin, il n'a pas voulu offenser les anti-vaccins. Et c'est pour ça que Donald Trump, qui aurait eu la responsabilité en tant qu'ex-président, de s'impliquer, surtout que c'est lui qui a fait développer le vaccin, puis en était tellement fier d'avoir pu faire ça euh, très rapidement, il aurait dû être le chef de file de celui qui promo, qui, promo la, qui fait la promotion de la vaccination, Motus et Bouchkousus. C'était comme un peu une vengeance, naturellement, il perd l'élection, il ne veut pas aider l'autre administration, puis en même temps, c'est comme un petit coup dans les côtes de l'industrie pharmaceutique, en pensant que c'est fait aussi. Jouer un tour et qu'il y a eu une conspiration contre lui parce qu'on a sorti le vaccin deux semaines, peut-être après l'élection. Il s'est dit Moi, j'en fais pas la promotion. Il se fait de vacciner en cachette. Et c'est très rare que Donald Trump fait référence au vaccin et dit aux Américains de se faire vacciner parce qu'il ne veut pas s'aliéner ces bases-là. Mais les nouveaux cas ont augmenté de 46 par rapport à il y a deux semaines et les hospitalisations ont augmenté de 11 On le voit aux États-Unis, mais en Europe aussi. Puis dans d'autres parties du monde. D'ailleurs, le Japon vient de, je pense, pour les Olympiques, d'interdire tout public. Il y a des, plusieurs pays qui ont déclaré l'état d'urgence. La Russie, ça n'allait pas bien il y a quelques jours aussi. Je ne sais pas quelle est la situation en ce moment. Un pays dont on n'entend jamais parler, c'est la Chine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faudrait demander peut-être à Jeff Bezos, qui semble être le vice-président de la Chine, avec Amazon, qui, eux, ont vraiment profité de, de la pandémie pour. Pour vendre toute leur cochonnerie de la Chine. Bezos, qui est devenu l'espèce de représentant ou le vice-président de la Chine, Jeff Bezos, aussi propriétaire du Washington Post. Donc, on voit que cette pandémie-là a profité à la Chine, indirectement, ce que c'est voulu ou non, c'est à vous de juger de ça. Moi, je ne suis pas là pour euh, vous influencer dans quelque direction que ce soit. Mais l'Amérique, l'Europe en général, là, se sont retrouvés, les autres pays. Euh, en position de faiblesse avec cette pandémie-là. Et ce sera une histoire à suivre. Ce sera les historiens qui décideront d'où prend, euh, d'où euh, quelle sera la place de tous les joueurs dans cette histoire-là. Mais je peux vous dire une chose, jusqu'à présent, les grands gagnants, la Chine et Jeff Bezos, Amazon, qui ont vu peut-être quadrupler leur chef d'affaires. 99 de tout ce que vous retrouvez sur Amazon. Euh, provient de Chine. C'est l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens achètent ça parce que c'est moins cher. Les gens achètent ça parce qu'ils sont programmés à ça. Mais il ne faut pas s'étonner que la Chine dominera économiquement le monde très bientôt. Une chance que les Chinois sont des gens pacifiques. Mais en tout cas, ils ont des revendications territoriales, comme je vous le disais l'autre jour. Et historique, mais dans l'ensemble, le, le peuple chinois très pacifique, une chance. Même les dirigeants très pacifiques, on s'implique jamais dans vraiment plus qu'il faut dans des conflits. On s'en va toujours où nos intérêts sont euh, importants hein, pour euh, le parti communiste chinois. On s'installe dans des pays, on se met amis avec des régimes souvent qui sont euh, très euh, douteux parce qu'on pense à dominer le monde. On pense euh, nos euh, intérêts hein, du côté du Parti communiste chinois. On achète, on loue des ports, on développe des routes, des chemins de fer partout. Parce que faut le dire, la Chine, c'est devenu l'entrepôt mondial de la cochonnerie qu'on achète. Et qui est à blâmer ben, C'est nous qui achetons toujours toujours plus de cochonnerie. Je voulais juste vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, puis il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. On va passer un bel été.